Guillaume de Cassel, il marchait là où on marche actuellement. C'est un truc de ouf. Et puis, c'est quand même ici, 1071, la bataille où il s'est rallié à Robert le Frison, hein, oui. Contre Philippe Ier. Justement, un petit parcours de visite à vous proposer pour faire tout le tour du village et notamment d'abord vous rendre tout en haut du mont, donc sur la terrasse du château. En empruntant le chemin des remparts ici, les anciens remparts du château. Voilà, donc je vous souhaite une excellente visite, messieurs, dames. D'accord, merci. Vous pouvez également consulter notre carte touristique sur la droite. D'accord, merci. Bonne journée. Bonjour, monsieur. Je vous propose un petit parcours de visite également pour découvrir. Oh! Ça me rappelle, tu sais, ma prof d'histoire. Ouais. Elle me disait toujours, oui, les pavés de Cassel. Ah oui, Madame Bonifacio. Oui, Madame Bonifacio. Attends, c'est Guillaume? Genre le seigneur? On dirait, ouais. Et il ressemble d'où? Mais attends, il y a une calvitie, genre. Mais c'est la même, c'est genre... Par contre, il est... Ouais. C'est... une vraie épée. Il n'a pas de cheveux. Il a dit un truc. Genre quoi? Je sais pas. Mais j'ai rien entendu. Hein. C'est Guillaume. Hein. Castel. Castel. Ça veut dire château. Castel. Ah oui, château. Château, bah c'est Guillaume en fait. Vilhelm. Yeah. Yeah, c'est une Vilhelm. Vlamsch. Juste plus Vlamsch. Castel. Il a besoin d'aide, il a besoin d'aide. Cette rivalité fraternelle trouva son répondant naturel dans la différenciation géographique entre d'une part un Hainaut rural, mené de main de maître par Richilde, aristocrate autoritaire, et d'une autre part une Flandre où les paysans jouissaient de certaines libertés grâce à leur esprit pionnier de promoteurs de terres humides et incultes, sans compter les habitants des cités en croissance et en devenir politique. La Flandre maritime, mes amis, de langue flamande, la flamingante. C'est ça que je vais raconter, mes amis. L'histoire, cette bataille, pour la liberté du peuple de Flandre contre l'oppression de Richilde. C'est ça
mes amis. Ce livre, c'est une référence. Une Bible, même si je peux aller jusqu'au blasphème. Celui qui a écrit ce livre est un saint homme. Bien. Salut Guillaume. À bientôt. Oh.